Et salut à tous, c'est Mediwine de The Inch Show. On est parti pour Gravity Rush, la démo 2, bien sûr, 2, en mode japonais. Donc on va découvrir, d'ailleurs j'avais totalement aimé le premier, l'univers, tout ce que proposait le jeu. Le 1 était fantastique. Je sens que là je suis en train de voir sur ma télé 4K, avec ma, j'espère qu'il y aura une mise à jour PlayStation 4 Pro, car d'ailleurs je suis... j'ai une nouvelle carte d'identité, hein, la PlayStation 4 Pro. Je suis bien content de mon achat, mais j'ai envie de voir plus de jeux en 4K. D'ailleurs, là, c'est plus du 1080p, donc ce qui est dommage. Voilà. Mais sinon, on est parti. On va pas s'attarder sur la PS4 Pro. On va s'attarder sur Gravity Rush là-bas. Oh! Oh putain! Oh regardez-moi ça! Oh la vache sur mon écran! Je suis en train de mourir! Choisissez la course parmi les deux disponibles. Donc course de novice, course habituée. Toujours. Voici la course pour habitué. Aucun détail des commandes ne sera proposé, c'est bon? C'est bon, t'inquiète pas! Choisis la course parmi les deux disponibles. La course habituée, quand même. Oui, c'est bon, oui. Hein? Sid? C'est donné! Sid? Il est où, Sid? Il est où, Sid? Là-haut? Ah! Ok! L'arbre quoi? Le Binga, je me demande quel genre de choses nous attendent à Jirga par là-haut. Des ennuis n'attendent peut-être que nous de tomber dessus, Sid. Et nous devons toujours trouver un moyen pour entrer à El Skeville. Oh, je vois quelque chose là-bas. Tu vois quoi? Oh, God. C'est donc Jirga par là-haut. Non, d'une ville en Thaïlande. C'est énorme. Putain. Alors. Bonjour. Alors, c'est le R1, si je me souviens bien où est le R1. C'était quoi déjà pour voler J'aurais pas dû faire le malin à mettre la vitesse. Bien c'était rond, oui, ça... La caméra... Bah oui, mais j'ai juste à sauter, normalement ça devrait fonctionner. Eh hey, fuck you, ouais. Je vais sauter, là. Non, si tu vises, pavé tactile. Eh, hey, j'ai envie de sauter, là. Ok. Ah bah d'accord, il y a une cinématique. Bah, fallait patienter, quoi. Ouh la vache. Regardez-moi ça les mecs. Vraiment hâte qu'il sorte celui-ci. Est-ce que je peux faire mon gravitationnel tout de suite? Gamme, vol. Voilà, là on va faire un petit tour avant, hein. Histoire de se faire plaisir, on est en Thaïlande les mecs, la Thaïlande du futur. Donc on a Jang Lao Pao. Hop là, et... Chut, ça m'a manqué sérieusement. C'est dingue cette histoire. Hop là. Oh regardez, mais attendez, mais dites pas que... Non, là, toute la ville n'est pas disponible non plus, hein, faut pas rêver. Et quand j'annule, j'aime bien quand j'annule comme ça, et quand je tombe et tout, c'est trop kiffant. Yeah, comment j'annule déjà? Ah oui, voilà, c'est le L1. Et là, quand je tombe, c'est juste magnifique. Oh, magnifique, les mecs. Ça fait plaisir de retrouver ces sensations. Ah, j'aurais bien voulu une sorte de décès comique en jeu comme ça, en mode Superman qui vole avec Metropolis. Ça aurait été simplement ouf. Mais faut pas trop rêver, mon ami. Voilà, hop. Olé, pardon messieurs dames, je suis vraiment désolé. Donc l'animation au niveau des PNJ, on va voir ce que ça donne. Salut Rastafari. C'est quoi, c'est un petit truc noir ça? Eh, oh mais, pff, ah, mais c'est tellement bien animé, non mais regardez-moi ça. T'as même Final Fantasy 15 à côté, ça passe pour... Qu'est-ce qu'il y a? Oh la vache. Ok, toi tu cherches les ennuis, hein. Ah, ils sont de retour. Putain, ils sont de retour. Viens, bout des nez. T'inquiète même pas. Aïe, j'ai tout cassé, là.
Putain, même la destruction des objets de l'environnement, elle est juste ouf. Oh, magnifique. Oh là 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 là, mais on a affaire à un vrai cartoon, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok. Ah oui, je les connais, ceux-là. Ok, appuyez sur rond pour attirer des objets proches. Ah, putain, ouais, d'accord. Ok, ouais. Ça marche. Si tu dédains la réticule dans un grand ennemi, réaction apparaîtra sur son point faible. Tu appuies rond lorsque le rayon est visible. Tu lanceras des objets sur ce point. Mais magnifique. Appuie sur rond pour attirer les objets proches dans un champ d'apesanteur. Tu peux ensuite lancer des objets sur les ennemis. D'accord. Retour, retour, s'il te plaît. Retour, retour. Pas sûr. Hein. Ah, d'accord. Ah, non, bah, ok. Alors, attends. Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Gamugamuno. Et... lancer gravitationnel. Oh, c'est magnifique, on peut jeter des objets contrairement à l'ancien. C'est magnifique, jette-moi ça sur lui. Voilà, dégage, espèce de gros pouilleux. Voilà, et jette-moi ça. Voilà, dégage. Ah ah, je kiffe. Et voilà, comment on fait le ménage. Ça devrait le faire. C'est bon là, le truc gravitationnel là. On dirait. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Rends-toi sur le quai. Ok, on va se rendre sur le quai. Non mais ça suffit là les mecs, c'est bon, cassez-vous là. Voilà. C'est bon, voilà. Pardon, pardon monsieur là, mais je suis désolé hein. Je traînais les meubles. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le quai? Encore des méchants? What the fuck is that? Commencez. Non, tout est forcément là. J'ai dû perdre compte. Je perds le compte, excuse-moi, 6-7. 7, non. Une minute. Il y en a plus maintenant, c'est impossible. Madalena, t'es meilleure. Qu'est-ce que tu crois faire là? Tu vois pas que je suis occupé? Ce serait pas le minerai que j'ai galéré à ramasser? Après tout ce travail, j'aimerais bien savoir où tu comptes l'amener. C'est bien la dernière chose dont j'ai besoin. Peut-être que si je compte encore une fois. Bravo! Logoson, qu'est-ce qui te prend autant de temps? Allez, ah, allez. Oh, je ne fais que vérifier la cargaison une dernière fois, j'ai presque terminé. J'espère que c'est vrai. Si tu es en retard, il y a plein d'autres marchands qui prendront ta place. Bien sûr, monsieur. Axon, Mendoxena. Je ne comprends pas où il est passé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment il a pu disparaître? Bien, Num. Très bien. Tu me promets de garder ce secret? D'accord. Oh, my torta. Il manque un bout de la guérison, mais la livraison est pour aujourd'hui. Oula, si jamais il y a que de l'an, venez à savoir. Une minute, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien de spécial. Pitié, tu dois récupérer ces caisses pour moi. J'ai entendu dire qu'il y avait des fauteurs de troubles dans le coin. Je parie que c'est eux. Des fauteurs de troubles? Putain, j'ai pas changé de voix. Quel genre de fauteurs de troubles? Alors, les gens qui apportent des ennuis, comme ce type là-bas. Quel type? Ah oui, d'accord. Putain, il a un pouce-pouce. Il a un pouce-pouce volant. Attends. Tu vas voir, toi, tu vas voir. J'ai pas la gravité illimitée en plus. Oh fuck, 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 c'est vrai, j'allais zapper ça. J'ai une méchante idée, tu vas voir ce que tu vas voir. Pouce, pouce magique. Pourquoi j'ai pas le droit à un Superman comme ça là-haut? Je vais envoyer une lettre au producteur du jeu et au réalisateur du jeu et l'équipe. Faites-moi un Man of Steel comme ça là. Ceci pour reprendre, vous avez volé. Nani, tu bosses pour Virgo ou un truc du genre? Tu ne saurais pas quoi? La seconde, c'est toi. Ado Woken, ça pue! Toi qui pue. Madame Ludin. Oh non, mais attends, ils débarquent tout le temps eux! Tu peux pas se battre contre des humains là? C'est vrai que c'est une force surhumaine, à quoi ça sert de battre les humains? Oh, attention, casse pas la caisse toi! Alors esquive, fais voir l'esquive! D'accord, c'est la petite roulade. Ouh, le coup de pied gravitationnel! D'accord, bah ça je le connais, ça, j'ai l'habitude. Je mets les pieds où je veux, Little Don. C'est souvent dans la gueule. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et là. Attends! Voilà, coup de pied gravitationnel! Là, je suis allongé, tout se passe bien. Et hop là! Et suivant! Kick! Spécial kick! Alors attends! Oh, il y en a encore, hein, les mecs! Oh!
Ah ouais, d'accord, attends, tu vas voir. Spécial. Ah, oh, ok, esquivation en l'air. Esquive aérienne. Attends, hop. Il bouge tout le temps. Je n'arrive pas à les toucher. Ouais, sans blague, ouais, c'est vrai ça. Je pensais que c'est moi qui déconnais. Style lunaire, qu'est-ce que c'est que ça? Appuie sur le haut. Appuie vers le haut. Ah, fuck, d'accord. C'est bon le style lunaire là? Alors, coup de pied de trou vert. Alors, lorsque vous êtes le style lunaire en apesanteur R1 et déplace le réticule visé pour faire. Attends, on remonte là, remonte s'il te plaît, comment tu fais? Ok. D'accord. D'accord. Style lunaire activé. Lunaire château. Oh god. Oh la vache. Lunaire château. Ok. Oh. Ah ouais. Lunaire château. Tiens, château. Olé, olé, kéké. Lunaire château, kéké spécial. Allez, voilà, dégage. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est beau. Ça sera le motherfucking day one, c'est sûr et certain, les mecs. Dégage-toi. Tiens, voilà, fous le camp. Et hop là, on a fini le taf. Je les ai eus. Yeah. Mode lunaire désactivé. Pour désactiver le mode lunaire, s'il te plaît, là. Comment j'ai fait, là, pour désactiver? Ah, voilà. Il y a quelque chose qui cloche avec cette cargaison. Fais voir la cargaison. Ah oui, je pouvais prendre des objets aussi dans l'axe, je suis bête. Fuck, ouais. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah, fiché, quoi. Voilà, dégagé. Oh, les explosions, c'est pas mal. Attends, mais qu'est-ce que je fais, moi? Cargaison restante. D'accord, bah attendez, moi je prends cette cargaison là. Non, mais je veux pas de ça, moi. Dégagez. Ah, d'accord, oui, il faut que je les pète, d'accord. Ah, voilà. Je dois retourner voir Vogo et lui demander ce qui s'est passé avec sa cargaison. Il y a quelque chose qui cloche, je le sens. Ah, bah ça, je le sens aussi, hein. Ah, d'accord, faut que je me rende ok. Comment on court déjà? Oh, comment j'ai fait ça déjà? Oh, c'est nickel. Oh, je contrôle plus rien. Wouh, c'est magnifique tout ça. Là, il y a un nouveau style et tout. C'est magnifique. Dégagé. The Man of Steel. Oh. Oui, très bien, je vais aller voir moi-même. Tu dois pas faire ça. Tu vas voir si je dois pas faire ça. Et hop là. Yeah. On va voir ce qu'il y a dans ce cargaison là de malheur. Bah vous avez tout quoi les insectes là? Oh là, ouh, what? Oh là, ouh. Oh oh. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Bordel de merde. J'aurais pas dû booster chez ce bouton. Arrête-toi. Vers l'infini et l'au-delà. Arrête-toi. Oh. Ça suffit là, Michel. Oh. Putain, oh. Ah ouais, vous me cherchez, vous allez me trouver, bande de macaques. Voilà, hop, c'est ça, fouettez-moi, vous allez voir. Encore au-dessus de la cargaison. D'accord, t'inquiète même pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Vers le style Jupiter. Appuie rapide vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Oh, le style Jupiter, il est stylé!
D'accord. Je peux maintenir carré. D'accord. Vous allez voir le style Jupiter, il va faire très mal. Style. Kick Jupiter d'Arr. Kick. Wacha. Bande de fouilleux. Quoi ça là? D'accord, vous recherchez encore un style Jupiter, les mecs? Je suis là, les mecs, si vous me cherchez. Vous me cherchez un score à style Jupiter, je vais vous en mettre plein la vue. Kick Jupiter d'Arro. Oh, son... Kena. Ok. Et voilà, mon grand. Bien boudé. Mais je les ai déjà défoncés, eux, non? C'est bon, ça suffit là. Ok, mon dernier Jupiter kick d'Aro. Kick Jupiter d'Aro. Super. Voilà, foutez le camp, les mecs. Et là, on revient à la normale. Je crois que c'est bon. Hop là. Non, je suis en mode. Je suis en mode moon là. Voilà, normal. C'est quoi l'embrouille avec ces caisses? Ouais, c'est quoi ça? Ça rapporte pas mal. J'ai oublié de te mentionner que la garnison est en train de choisir. Bah, j'ai essayé de découvrir mes traces, mais j'ai attiré l'attention de Village Benga. La garnison est sur le point d'arrêter tout le monde. Ouais, comment t'as osé? Comment tu as osé? Comment oses-tu? Rentre vite au village de Banga. J'ai envie de village de Banga. Banga! Rose. Ok, Banga. Élimine les soldats. Sougena! Oh oh! Ça s'arrête avant là, c'est pas normal ça. Hop là! Chut. Oh oh, j'ai plus de vie. Vous allez voir ce que vous allez voir, vous me couillez. Fuck! J'ai plus de vie! Faut que je trouve de la vie! Ah, j'ai une idée! Le style Jupiter, il me correspond mieux! Allez voir ce que vous allez voir! Le Jupiter, ça va vous froisser! Putain, il y a le gros truc qui passe devant quoi! Je peux pas faire ce que je veux! Voilà, vous allez voir, bande de couilleux! Vous allez voir, vous allez voir! Ah, oh putain, j'ai plus d'énergie! Non! Fuck! Ra 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 ra. Et hop, on va recommencer encore une fois parce que j'ai pas envie de me faire flaguer pour rien. Piquez. Voilà, encore mieux là, je suis en mode. Là par contre je kiffe parce que je suis en mode magnéto là. Foutez le camp les mecs. Voilà, dégagez. Katsudarua. Alors. Oh, attention, il va me tirer dessus là. Dégage, pauvre pouilleux. Raven. Hé hé hé. Ils ont besoin d'une leçon, ça c'est sûr. J'ai plus de vie, t'as de la vie pour moi Raven? Ça serait gentil de ta part. En tout cas, je vais crever là Raven. Allez, viens avec moi. Ah bah bravo. Le fail de l'année. C'est le fail de l'année, je vous le dis. Oh, le loupage total. Oh wow. Ça fait mal au crâne un peu hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Mais allez! Oh god! Je suis mort! Putain, il m'a jeté une bazooka dans la gueule quoi!
Rebelote. Ah, j'ai déjà vu cette scène, allez. Ike, bagero no mo. Putain, je kiffe ce pouvoir, quoi. Ike Raven Kick Special. Oh là, c'est trop beau. Oh putain. Raven, Raven. Non. D'accord, je cherche la guerre. On va passer en mode lunaire. Go, c'est leur moon. Ah. Olé. C'est quoi ce passage? Ça là? Ah mais d'accord, j'ai pris ça là. Jette-moi sur ça là. Putain, c'est fou quoi. Elle l'a tué à elle toute seule. Moi je suis trop nul hein. Watch out! Magnifique, magnifique, c'est une œuvre d'art ce jeu hein. C'est une démo mais c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est ça, suicide-toi pauvre abruti. Raven, t'as pas un peu faim? Et maintenant qu'on a fini, si on allait chercher des brochettes. Elles sont délicieuses, tendres et juteuses. Je ne crois pas que ce soit quand même quelque chose approche. What the fuck, quelque chose approche. Me dis pas ça hein, me dis pas ça hein. Quoi ce machin des mechas là? Ils font chèque leurs mechas. Hein. D'accord, tu cherches la merde. Aucun problème. Je leur ai enlevé comme dit. D'accord, on va essayer la technique. Jupiter. Technique. Jupiter. T'as rien enlevé aussi non plus. Bah bravo. Oh, c'est quoi ce boss là? Truc de malade, hein. Ah d'accord, c'est ça qu'il faut que je vise. Attends, arrête toi. Je vais juste regarder ce qu'il fait là. D'accord. Ok, est-ce que ça revient après? Non, d'accord. Mort. Oh. Aïe. Oh mais oh. Voilà, reste au sol, je crois que c'est mort. Donc là. Voilà, et bon bâtard, j'ai bon là. Oh, il devrait plus marcher là. Oh. Ah, il y a des trucs dans les fesses là-bas. Putain, pas les... Ok, t'inquiète même pas. Allez, Raven, on le finit. Oh, ben, elle est pas mort. Et là, tu vas mourir. Attention, sauve-toi. Ouh là là. Ah oui, il faut que j'aille appuyer, d'accord. Ouh, allez, Ike, Raven, on est back ensemble. Pas au bac à ça, mais on est back ensemble. C'est leur moon et Raven. On est là. Vers l'infini et l'au-delà. Oh. Gravity Rush 2 is back. Et ça fait vraiment plaisir. Wouhou. Ça doit faire mal ça. Soukena. L'innocence du village Bangga en Thaïlande avait été démontée. Démontré. Ça avait été montré, mais qu'est-ce que... J'ai plus l'air ou quoi, ça avait été démontré. Et sous la suspicion de faire passer du minerai de mauvaise qualité en contrebande, Vogo continua à fuir les autorités. Oh yes! Merci d'avoir joué! À bientôt!
À très très bientôt, le 24 janvier, je serai là devant la porte du magasin à 8h s'il le faut. Il sera dans ma console, la galette sera dans la PS4 Pro et j'espère une mise à jour PS4 Pro tout en 4K. Je vous remercie d'avoir regardé Gravity Rush 2, c'était Mehdi Wayne sur The Hit Show. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde. Je suis tellement content, tellement content. À bientôt.